Eh bien, de retour, les amis, sur Pokémon Écarlate. C'est maintenant que nous allons continuer un parfum de légende. Non, c'est pas ça que je vais faire. Faut que j'agrandisse. Voilà. C'est le phare qu'il nous faut. Fuchsalaga. Quoi t'as fait pour arriver avant moi? Tu veux pas Coraidon? Enfin bref, voilà le labo de ma mère. Je me souviens, je venais souvent ici quand j'étais gamin. Je me demande bien pourquoi elle nous a demandé de venir ici. Je vais ouvrir. Vous vous rendrez compte que ma mère est un vrai génie. Une professeure de talent, paraît-il. Et pour élever son propre fils, c'était pas le même délire. Elle rentrait jamais à la maison, trop obnubilé par son fichu boulot, dans son fichu labo. J'ai aucun bon souvenir d'elle. Elle jouait jamais avec moi. Dogrino, lui, au moins, il était à mes côtés. C'est bon, c'est ouvert. Allons. On en finisse, je veux pas traîner ici plus longtemps que nécessaire. J'ai besoin de votre aide. Je me trouve en ce moment dans le cratère de Paléa, au plus profond de la zone 0. Et puis, tout ce temps, je poursuis des recherches sur du Pokémon unique dans le genre. Mais pour atteindre la dernière étape des brillants travaux de la professeure Olim, votre aide m'est nécessaire. Dernière étape. Pour cela, vous devez utiliser une clé qui se trouve quelque part dans, dans ce labo. Il s'agit du livre Écarlate. Un livre que tu parles. C'est de celui-ci. Tu as déjà en ta possession, Pépère? C'est parfait. Cela va faciliter tâche. Je veux que vous m'apportiez ce livre au plus profond de la zone 0. Je vous promets que cette quête vous sera une expérience pareille au plus beau des trésors. Pour vous, au plus beau des trésors. Toutefois, je dois vous prévenir que dans la zone 0 est protégée par de dangereux Pokémon ainsi qu'un système de sécurité électronique renforcé. J'ai bien peur que vos chances de réussite soient minimes. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous fassiez appel à d'autres compagnons. Je dois vous quitter, j'attends votre venue dans les profondeurs de la zone 0 avec impatience. Ok, bon, on ira. La zone 0. Ça craint. C'est là-bas, au fond du cratère, que Dogrino a été gravement blessé. Franchement, j'ai pas envie d'y retourner. Y aller, toi?
Cela fait partie de mes chasses au trésor. La chasse au trésor? Ah, tu parlais du projet extrasolaire. Oh, et puis zut. Pas laisser un ami seul dans un endroit aussi dangereux. Je vais venir avec vous, quoi. En plus, j'ai deux mots à dire à ma mère. Eh ouais, sortons d'ici, il faut un combat. Avant de partir, il faut s'assurer qu'on a le niveau pour aller dans la zone 0. Enfin, surtout moi, allons-y. Bon, bah, c'est parti. Hein. Combat contre Paper. T'es prêt de battre? Oh oui! Parfait. Toi aussi, t'es prêt de gagner? Et dit qu'il est prêt à en découdre. Tu peux envoyer ton Dogrino au combat? Ouais, je comprends pas pourquoi t'es inquiet pour lui. Mais je t'assure qu'il est en pleine forme. C'est comme s'il avait jamais été malade. Il réclame une chose, se battre contre toi. Tu sais, à la base, il adore les combats. Même s'il a jamais fait le poids contre la délégué. Bref, t'as pas t'inquiéter. Maintenant que les épices nous ont requinqué, c'est le jour du jeu de choc. Et tu vas goûter à notre force. Bon, Grigou, face à gros singe. Tu affrontais les Pokémon que j'ai rencontrés pendant notre chasse aux épices. Secret! Bah, dégage. Et il a pris zéro. Mais tu rigoles. Et il prend zéro! Il tente trop! En 0. Elle est bien défensif en fait. Je pensais pas que Grigou était aussi fort que ça en termes de défense. Oula, ça me fait peur, je suis quand même plus rapide que lui. Hein. Aïe aïe aïe. Bon, ça va. Alors, on va faire mieux de le faire, on va setup. On va y arriver. Et faire salaison, ensuite je referai. Non, je ferai soin et ensuite mur de fer. Que non, je vais faire mieux de le faire. Subirai un peu moins de dégâts et ensuite soin. Soin. Là, on peut le mettre KO. Le problème, il sent que lui, il attaque SP.
Et si j'ai pas de bêtises, les plantes aussi. Curvus. Je viens de me setup et je l'enlève. Super. Je reste. Ça tank. Non? Ah bon? Je pensais qu'il était plus résistant que ça quand même. Ok. Le problème c'est qu'il les plante. Plante feu. J'aurais peut-être dû le faire avant ça. On va essayer. Plus t'as brillé. Plus t'as brillé, normalement c'est lent. Et il tank ? Bah après c'est un monstre de défense. Au. Au. Ah c'est bien un monstre de défense, hein. Tu vas me faire la même attaque. Je prépare mon cours au singe. Non. C'est pas Bafard, pas mon absorbo. Ok, on va faire un balayage. Gigancel. Balayage, ça devrait lui faire bien mal. Gigancel est un Pokémon qui est très lourd. Hein. Ça va. Dogrino, non. Et c'est maintenant que ça va être intéressant.
Intimidation. Ok. Montre-nous que tu restes à la santé, mon beau Dogrino. Très récristallisation. Ok. Donc non, c'est vachement rapide. Voilà. On a vaincu Pipé. On y était presque, Dorgano. Et voilà, je te remercie. Hey, il m'a surpris, le Dogrino. Quelle force, je comprends mieux comment tu as vaincu tous ces dominants maintenant. Je pense qu'il va quand même nous falloir de l'aide si on veut aller dans la zone 0. Là-bas, les Pokémon ne rigolent pas. Et on y trouve plein de choses de machines bizarres. L'idéal, ça serait de recruter deux personnes en plus. Quelqu'un de fort en combat qui a déjà un talent en maître et quelqu'un qui connaît la technologie sur les bouts des lois. Vas-y. La déléguée, oh, c'était pas une mauvaise idée, mais je pense qu'elle bougera pas le petit doigt tant que t'auras pas atteint le rang maître, toi aussi. La façon de former une équipe de ton côté, va falloir voir si quelqu'un d'autre peut nous rejoindre. Bah, Pania aussi. Hein. La technologie, elle s'y connaît très très bien. Voilà, un parfum légende, c'est terminé. Donc deux de nos objectifs. Allez, on soigne nos pokés. Donc là, il nous reste plus que la team, enfin la ligue Pokémon. La team, non. Mais la ligue Pokémon. À bientôt. Ah ben c'est parti. Hein. Ce qu'on va faire, c'est s'y préparer. On a quand même très très bien avancé là. C'est top. Il nous reste plus énormément de choses. Donc là, la petite sauvegarde. Niveau 60 quand même pour mon cours au singe. La ligue, je pense que ça va piquer aussi. Hein. Je sais même pas si avec mon équipe, j'arriverai forcément à vaincre la ligue. Parce que je crois que les Pokémon commencent à taper aussi vers les niveaux 60-65. Donc on va bien ce que ça va donner. Et ben voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures sur Pokémon Écarlate. Et on finira avec justement les ligues Pokémon pour au moins les trois objectifs qu'on a au départ du jeu.
Je dis à très bientôt, les amis, pour de prochaines aventures, en espérant que, pour le moment, tout vous ait plu. Et ce sera pratiquement le rush final, là. On y est dans très peu de temps. Allez, salut à tous, les amis.